Bonjour, dans cette leçon, nous allons définir ce que sont les dépréciations. Une dépréciation est la constatation comptable d'une diminution de valeur non irréversible d'un élément d'actif, par opposition à l'amortissement qui lui constate une perte de valeur irréversible. Ainsi, le plan comptable général, dans son article 322.1, énonce que la dépréciation d'un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable. Par conséquent, une dépréciation est liée à la notion d'incertitude, elle sera constatée en comptabilité en vertu du principe de prudence. Prenons quelques exemples pour voir dans quel cas nous aurons à enregistrer une dépréciation. Dans le premier cas, nous avons la baisse du cours d'un titre. Cette opération est une opération incertaine. En effet, le cours de l'action peut augmenter dans les jours qui suivront. Cette baisse de valeur n'est donc pas irréversible. Elle concerne un actif. Par conséquent, elle fera l'objet d'une dépréciation. On parlera plus précisément ici de dépréciation des titres. Dans notre deuxième exemple, nous avons un débiteur en difficulté. Nous sommes donc confrontés à un risque de non-paiement d'une créance. Il s'agit pour l'instant d'une opération incertaine, puisque la situation de notre débiteur pourrait s'améliorer dans les jours, les semaines ou les mois qui suivront. Cette créance que nous avons sur notre débiteur est à l'actif du bilan, dans l'actif circulant. Son risque de non-paiement dévalorise donc cette créance de façon incertaine, nous l'avons vu. Nous enregistrerons donc une dépréciation que nous appellerons plus spécifiquement une dépréciation sur créance. Dans notre troisième exemple, le client est déclaré insolvable suite à un jugement de liquidation judiciaire. Le jugement rend l'opération certaine, il n'y a donc pas d'incertitude et par conséquent pas de dépréciation. Le montant de la créance constituera pour nous une perte certaine que nous enregistrerons en charge dans le compte 654, perte sur créance irrécouvrable. Dans l'exemple suivant, nous avons la hausse du cours d'un titre. Cette opération, bien évidemment, est incertaine puisque le cours du titre pourrait baisser dans les jours prochains. Toutefois, ce n'est pas une dépréciation, mais une appréciation. Par conséquent, nous appliquerons le principe de prudence. Aucun enregistrement ne sera fait en comptabilité. Nous avons ensuite la constatation annuelle de la perte de valeur d'un mobilier. Il s'agit d'une opération certaine. Cette perte de valeur irréversible d'un actif immobilisé fera l'objet d'un amortissement. Enfin, dans notre dernier exemple, nous aurons des stocks passés de mode. Il s'agit d'une opération incertaine car on peut considérer que la mode pourra revenir. Cette perte de valeur n'est donc pas irréversible. Les stocks étant à l'actif du bilan, dans l'actif circulant, nous constaterons une dépréciation en comptabilité que nous pourrons appeler une dépréciation des stocks. Notons enfin qu'en raison du caractère incertain propre aux dépréciations, leurs montants devront être justifiés par des calculs aussi précis que possible et individualisés. Les dépréciations doivent obligatoirement être enregistrées en comptabilité, que l'entreprise soit bénéficiaire ou déficitaire.